Un beau bonjour les amis, on se retrouve dans cette nouvelle capsule, eh bien pour vous parler en deux mots, n'est-ce pas, de l'archange Métatron. Qui est l'archange Métatron? Ce bel archange Métatron, eh bien, il est le plus puissant des archanges. Il est le plus près du divin et en réalité, n'est-ce pas, Métatron et son frère jumeau, Sandalphon, sont les deux archanges gouvernant la sphère de la terre. Avant de devenir un archange, eh bien, ce bel archange Métatron a vécu sur terre comme Sandalphon. Et grâce à son passé d'humain, l'archange Métatron est à même de comprendre les problématiques que nous traversons et peut-être d'un grand secours au quotidien. Son passé sur notre terre n'empêche pas Métatron de posséder un degré de pureté incroyable, lui donnant accès aux plus hautes sphères célestes. Ainsi, ce bel archange Métatron nous apporte la compréhension du monde supérieur et se pose en régisseur de nos désirs. Il nous permet de créer un monde à notre image et selon nos souhaits. Et l'énergie qu'il nous transmet nous invite à donner naissance à un univers nouveau. La couleur de ce bel archange Métatron est le vert foncé. Prière à ce bel archange Métatron. Cher archange Métatron, de tout mon cœur et avec la plus grande gratitude, je t'invoque aujourd'hui pour te demander ton aide. Aide-moi, je t'en prie, à accepter mon hypersensibilité et à en faire ma plus belle force. Aide-moi, je t'en prie, à trouver ma place dans ce monde de chaos et permets-moi d'incarner avec dignité qui je suis vraiment. Insuffle-moi, je t'en prie, la force de continuer malgré les difficultés rencontrées. Ravive en moi la lueur d'espoir et cette foi sans faille qui me permettra d'avancer malgré l'obscurité. Aide-moi, je t'en prie, à trouver le juste équilibre entre le donner et le recevoir. Aide-moi, je t'en prie, à mettre des limites pour honorer et respecter mon être véritable et essentiel. Fais-moi comprendre dans un murmure la grandeur de tout ce que j'ai accompli, même si mes frères humains ne voient ni n'entendent rien. Donne-moi le courage et la persévérance quand cela m'est nécessaire et aide-moi, je t'en prie, à lâcher prise quand l'effort est inutile et en vain. De mon âme à ton âme, je t'aime et je te remercie. Remerciez-le avec une petite prière que vous lui adressez. Bon matin à toutes et tous, on se retrouve pour le message de ce mercredi
11 mai 2022 avec l'archange Métatron. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Alors je vais commencer par penser ce matin, comme tous les matins, n'est-ce pas? J'ai le choix de nourrir le positif en moi ou bien de nourrir le négatif. Et le plus fort est celui que je nourris le plus, n'est-ce pas? Alors aujourd'hui, eh bien, j'ai pigé Pérou, chakra sacré. Le chakra sacré de la terre-mère est situé au Pérou. Et cette carte est empreinte de mysticisme, de renouveau et d'amour. Faites de la place à votre enfant intérieur afin de saisir les opportunités qui se présentent à vous. Vous hésitez à modifier un aspect de votre vie. Agissez maintenant. Le temps est venu d'éveiller votre être divin et d'accueillir le renouveau dans votre vie. Eh bien voilà, Pérou. Et alors, quand on parle du chakra sacré, c'est le deuxième chakra, n'est-ce pas, qui est au-dessus du chakra racine, et sa couleur, évidemment, elle est orange. Eh bien, j'ai pigé cette carte, c'est pour vous donner un message, pour interpréter le message suivant. Votre chakra sacré n'est pas équilibré et vous devez vous relier à l'énergie Gaïa. Voilà le principal message de cette carte. Alors, tout comme vous, n'est-ce pas, la terre-mère possède un chakra sacré qui est situé au lac Titicaca, au Pérou, dans la cordillère des Andes. Et cette carte est empreinte d'une douce énergie qui vous montre à vous relier à votre enfant intérieur, à cette partie innocente de votre être, afin de retrouver cette joie de vivre dans la simplicité du moment, car on a l'impression que vous avez perdu cette joie de vivre et cette innocence de votre enfant intérieur. Ne regardez pas en arrière. Ça vous fait du mal. N'anticipez pas demain. Vivez aujourd'hui dans la conscience, d'amour de votre être divin. Ayez confiance, parce que d'ici peu, un aspect de votre vie fera place à un nouveau. Accueillez-le et ne résistez pas. Waouh, ça parle. Je ne sais pas pour vous, mais ça parle. Cela veut dire que il faut aligner tous vos chakras, mais principalement ce chakra, n'est-ce pas? Il n'est pas aligné, donc il y a des conflits en vous. Et pour le remettre en place, pour l'aligner, pour l'ouvrir, vous pouvez effectuer une méditation. Vous regardez sur YouTube ou sur Internet, sur Google, des méditations pour ouvrir les chakras. Et vous allez en trouver. Donc il est nécessaire, hein, d'ouvrir vos chakras et de bien les aligner. Je termine par l'énergie de guérison
Et il n'y a pas de hasard, encore une fois, n'est-ce pas? Une synchronicité incroyable, l'équilibre. Équilibrez vos chakras, eh bien je pige la carte équilibre. Je retrouve l'équilibre entre chacune des sphères de ma vie. Je prends conscience que je suis maître de mon quotidien. Je prends le temps de nourrir le spirituel et le physique. Je m'apporte de l'amour en comblant, eh bien, les besoins de mon corps et de mon âme. Je terminerai, mets de la lumière dans ta vie, sois optimiste, lève-toi le matin et remercie pour la belle journée que tu vas passer. Je vous souhaite une toute belle journée. On se retrouve demain et d'ici là, je vous embrasse. Portez-vous bien. À demain.